Just bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you'll take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. Hold on, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Et ben aujourd'hui, on va faire une vidéo avec Alicia. Ouais, donc aujourd'hui on va filmer une journée avec elle. Et donc normalement on va faire au moins une séance. Et bah, j'espère qu'on va en faire plus qu'une quand même. Oui, j'espère aussi. Et donc là on va déjeuner ici. Et après on va voir les poneys. Ouais, donc bah c'est parti pour déjeuner. Donc, là, on est arrivé aux écuries. Et donc, j'ai mis mes bottes. On va aller chercher les chevaux pour une séance de saut. Donc, moi, je vais prendre Toto. Et toi? Crimson. Voilà, on va voir comment ils vont être. Merci, je ne sais pas qui vient de passer. Et donc, on va aller les chercher. Et après, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. C'est les. Je vais vous prendre au GoPro pour le temps qu'on aille à la halle. Après, normalement, on va pouvoir poser la caméra et enfin, ça va me suivre normalement. Et donc, normalement, ça devrait bien aller avec Topaz. Il est pas trop chiant en saut. Malgré que, comme vous savez déjà, au petit galop, il ne sait pas sauter, clairement. C'est pas un cheval qui a beaucoup de facilité en mécanisation. Donc, bon, voilà. Et toi, je ne sais pas du tout comment il va se comporter, ton cheval. Moi perso il est un petit peu chiant en saut, mais en soi il a peur de tout et de rien. Enfin en fait genre quand t'arrives devant l'obstacle, il est tranquille. Par contre si tu le refais, il va complètement péter un câble et avoir peur de la finir. Il est relou quoi. Ça va? Ouais, il est juste un peu barré quoi. Ouais, bon, c'est qu'un détail, hein. Petit bilan de la séance avec Toto. Donc il a été vraiment très calme pour une fois, parce que d'habitude c'est vraiment pas ça. C'est la première fois que je le montais sur un vrai cours d'obstacles, parce que la dernière fois j'avais crossé avec lui et sinon j'ai fait que du plat. Donc bon voilà, après ça se voit que c'est pas un cheval d'obstacle, c'est plutôt un cheval de dressage.
Mais bon, franchement, il a été très très calme pour comparer aux autres fois. Après, c'est aussi la première fois que je le montais avec un autre cheval, mais d'habitude, soit il était en cours, soit il était seul, donc voilà. Mais vraiment, ouais, je suis très contente de lui, il a été très très bien. Bon alors du coup par rapport à moi, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite chute. Donc ça m'a bien saoulée, mais j'essaierai de retravailler bah, le double en solo parce que en soi c'est un cheval aussi qui n'aime pas trop le monde. Mais bah, en soi il a été plutôt cool. Sinon, surtout sur le dernier, j'étais surprise parce que je croyais qu'il allait clairement me faire un refus. Et sinon pour les cavalty, bah il a été très bien aussi. Donc bah je suis plutôt contente, mis à part la chute. Mais ce cheval, je l'ai depuis pas très longtemps, pardon, donc bah ça va en soi. Are you the present or the future? Are you a drinker or a bruiser?